base 400 Marozou, la mort sans jour pas suspendre compter cadavre et chef gang vite l'homme prend coup, mesdames et messieurs. Nègyo tourne pasteur avec prêtre. C'est presque chaque jour y a chanté enterrement gang en dedans quoi des bouquets. Rete connecté détail yo a vini. Et dernière victime nan là, c'est chauffeur vite l'homme nan qui tombé en bas mais la police et la police arrêté mécanicien tout. Rete connecté détail yo a vini. La police m'a arrêté en coup crap tout ça va regarder là avec 75 ans paquet paille sèche marijuana en dans quoi des bouquets détail yo a vini. La police m'a arrêté en coup crap tout ça va regarder là qui c'est un éthiopien en dans aéroport Toussaint Louverture là avec environ 2 kilos de cocaïne pendant mi c'était à bord un vol pour te rendre à Paris. Rete connecté détail yo a vini. Yon gros fusillade dans kay voisin qui cause yon moun mouri et 4 lotan gravement blessé parmi yo gagné 2 timoun. Rete connecté détail yo a vini et tout de suite après incident ça pays les États-Unis lui-même li exhorté tout américain pour pas mettre pointe pied yo dans pays République Dominicaine à cause de problèmes insécurité. Base 400 Marozo prend coup. C'est presque chaque jour dans moment là la police marée ou bien gaye sevel kek malandré en dan kwa de bouquet et surtout dans zone cité doudoun mesdames et messieurs en pile bandi joine arrestation yo éviter l'homme qui c'est yon chef gang qui c'est allié base 400 Marozo pas suspend crier parce que la police pété zizye yon nan bon grain que il te gagné dans base ça. Joseph Jefferson alias Jeff, c'est un malandrin, c'est non malandrin ça qui se chauffeur chef gang vite l'homme alias base 400 Marozo qui tombé jour qui était mercredi 26 janvier 2022 dans une opération garçon pas campé DCPJ avec Brite Mené dans commune Taba. Yo arrêté Jean-Fritz Gérald Ricardo qui c'est mécanicien chef gang vite l'homme. Une opération ça, la police saisit un pick-up Isuzu couleur blanche 4 portes, une motocyclette Audi, un arme plus 2 téléphones mesdames et messieurs. Il faut que nous disions comme information supplémentaire sous dossier ça, vite l'homme même hier l'enchanté enterrement chauffeur ça. Qui ça la police a bay moun kembe là? Commissaire yo tué ensemble avec madame Lian dans quoi des bouquets ti petit plan prend balle. Jusqu'à présent la police a cherché couchin fou cadavre commissaire là yo pas ko jam ka yon ni bandi yo levé yo aller ensemble avec li tandis que la police li même li gaye sevel yon malandrin li kite vite l'homme joini jusqu'à ce que yo chante enterrement. Mais faut que nous dou nan moment là c'est presque chaque jour la police gaye sevel kek malandre en dan kwa de bouke qui fait partie base 400 Marozo parce que l'homme sans jou déterminé faut li gen contrôle kwa de bouke c'est chaque jour dans yon zone li toujours a installé zagolora yo et faut que nous yon grâce à vigilance DCPJ bri et kek unité en dan PNH lan. La police continue Marisa Goloraio et continue gaye sevel yo prescrit yo ti comprimé yo pour al bay blague avec Lucifer. En dans même quoi des bouquets ça mesdames et messieurs. La police arrive fouke jeune do ça va garder là dans zone Kota en dans quoi des bouquets avec 75 paquet paille sèche marijuana. Quoi des bouquets kounya c'est là tout deal fait. C'est là qui fait plus kidnapping, c'est là nèg yo passé avec des produits que la loi interdit moun yo même yo consommer. Et la police arrive maré tankou crab
Tout ça on regarder là qui c'est un éthiopien avec un 2.198 kg de cocaïne. Bri avec des CPJ, oui, mare ne bri, ne you ne nemni woy qui fait 15 novembre 1992 dans aéroport Toussaint Louverture là avec 2.198 kg de cocaïne. Monsieur était à bord d'un vol. Monsieur était à bord d'un vol Air Caraïbes pendant l'étape précipité pour entrer en France. Mesdames et messieurs, la police arrivait déposer la patte sous tout ça. Et bien pour le moment, monsieur nan DCPJ pour le dire, dès qu'il prévient dès qu'il manigance, il était décidé passer en Haïti pour entrer en France avec cocaïne ça yo. Mesdames et messieurs, jour qui était mardi 25 janvier 2022, te gagné un gros fusillade dans ville Santiago dans pays voisin qui cause yon moun mouri et 4 autres blessés. Parmi 4 blessés ça yo te gagné 2 ti moun là-dedans yo, mesdames messieurs. Côté ça passé, ça t'est passé dans 4h du matin dans 8e rue dans quartier Belmonde, selon porte-parole la police dominicaine Alejandro Garcia Ramirez Caz. Lui-même malgré lui dit il pas en mesure les ça t'est passé pour le débat et incident ça qui ça qui cause incident ça ta fête. Moun qui mouri en 25 ans c'est Angelo Velos Matos. Moun qui blessé yo couri l'hôpital ensemble avec yo et parmi moun blessé nous te dit ça déjà gagné deux ti moun yon gagné 12 ans yon gagné 17 ans et bien yo pas révélé identité yo et grand moun qui blessé yo mesdames et messieurs c'est et Delvis Rodriguez qui gagné 30 ans et Claudino Auguste Cuevas qui gagné 24 ans, c'est moun qui blessé dans incident ça. Après incident ça, pays les États-Unis lui-même, li passé l'ordre avec tout américain pour pas mettre prête pied dans pays République Dominicaine à cause de zak insécurité k'ap vale terrain l'autre bois et cause coronavirus là qui vraiment a frappé pays voisin. Mesdames et messieurs, n'a fon coup de pied par bon la caille nous côté te gagne yon gros fusillade nan zone Kinskoff jour qui était mardi 25 janvier 2022 qui cause yon moun mouri et de l'autre blessé. C'est dans zone Fermat en dan Kinskoff incident ça lui-même li passé.